Ça fait 10 minutes que je tourne la vidéo, j'avais pas lancé l'enregistrement. Yo les gars, c'est Yomax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, à chaque fois que j'utilise cet angle de vue, vous avez une vue magnifique sur ma poubelle. Ouais, j'ai toujours pas investi dans une poubelle, hein. À chaque vidéo dans ce style, il y a ma poubelle derrière. Elle est là, c'est la base. On se retrouve donc pour une vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre. On va faire un récapitulatif de cette année 2016. Ma foi, une très belle année pour moi sur YouTube. On va revenir dessus en 8 dates. J'ai choisi 8 moments cette année qui m'ont marqué et qui ont certainement aidé beaucoup au développement de ma chaîne. C'est vraiment une année fantastique. Franchement l'année 2016 elle était magnifique pour moi, honnêtement superbe. Et je me suis rendu compte d'un truc récemment, hein, la semaine dernière j'y pensais, non pas vraiment je me suis rendu compte mais j'y pensais, je me dis juste il y a 700 000 personnes différentes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Je sais pas si vous vous rendez compte, 700 000 personnes différentes. Et quand tu regardes mes vues, donc là on est sur mon tableau de bord, il y a à chaque vidéo à peu près je fais plus de 200 000 vues. Tu vois, 200 000 vues, 200 000 vues. Gros, c'est pas un truc de narvalo, ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes qui me suivent activement, quasiment tous les jours je sors des vidéos. Mais c'est vraiment un truc de fou, vous imaginez pas, c'est démentiel, c'est un chiffre démentiel, je vous remercie. Merci YouTube, parce que c'est juste un truc de fou, moi j'ai rien à dire, t'imagines le délire. 200 000 vues à chacune des vidéos, 700 000 abonnés, c'est actif. Franchement les gars, je comprends pas, je vous dis la vérité, je comprends pas comment c'est possible qu'autant de personnes me suivent. Franchement, c'est beau, moi je vous remercie tous et j'espère que vous kiffez le travail entre guillemets. Alors que c'est juste, je joue à FIFA, je vous dépaque frère, que je fais tout simplement. Ça fait vraiment plaisir, sachez-le. Et du coup on va revenir ensemble sur cette année 2016. Donc en 2016, j'ai compté tout à l'heure, j'ai fait exactement 220 vidéos, donc ça taf, hein. Ah ouais, là ça y va, 220 vidéos sur 365 jours. J'ai augmenté, on va dire, la cadence des vidéos ces derniers mois, depuis FIFA 17 en fait. J'ai augmenté la cadence des vidéos, mais sinon voilà, on est quand même sur un gros chiffre de vidéos dans l'année. Donc bon, il y a peut-être quelques vidéos en non répertorié, donc on n'est pas exactement là-dessus. Peut-être quelques annonces de live que je n'ai pas supprimées qui sont en non répertorié. Donc allez, minimum 210 vidéos. C'est énorme. Et du coup, je voulais qu'on revienne ensemble sur combien j'avais d'abonnés l'année dernière, c'est-à-dire combien j'ai gagné d'abonnés cette année. Donc en 2016, enfin en 2015, enfin en 2016, le 1er janvier, tiens, on va regarder. En 2016, le 1er janvier, j'avais exactement, j'ai trouvé, 353 000 abonnés. Ça veut dire, j'ai quasiment, hein, allez, à 4000, 5000 près, doublé mes abonnés, parce qu'on est à 700 000 maintenant. Doubler mes abonnés. Et j'ai regardé tout à l'heure en plus, 2015, je crois que j'avais fait pareil. 2015, le 1er janvier. Donc là, c'est un peu plus loin, le 1er janvier. Le 1er janvier, j'avais combien d'abonnés? On va dire le 4 janvier, on s'en fout. 152 000. Et vous allez voir, bah, j'en avais 353 000 à la fin de l'année. On vient de le regarder. J'avais doublé encore un peu plus, là, plus 50 000 abonnés en plus. J'avais aussi doublé mes abonnés en 2015. Donc voilà, c'est juste magnifique. Voilà, je double mes abonnés chaque année. L'année prochaine, 1 400 000 abonnés. Hein, que veux-tu que je te dise? Non, non, mais je me souhaite vraiment cette année d'atteindre le million. Ce serait magnifique parce que vous le savez, moi les gars, je fais 2-3 vidéos différentes de FIFA de temps en temps, bien sûr. Mais ma chaîne, on va pas se mentir, elle est basée sur FIFA. Atteindre 1 million d'abonnés en faisant que du FIFA, franchement. Magnifique, magnifique, si ça arrive ce serait magnifique. Bref, on va revenir sur mon année. Donc on va aller à la page 8, si je me trompe pas. C'est à la page 8 que 2016 commence sur mon tableau de bord. Et donc pour moi la première date que j'ai choisie, c'est pas une date en particulier, c'est le mois de janvier. Plus particulièrement bien sûr la semaine des Totti sur FIFA. Parce qu'on a fait des vidéos de fou, on a eu une chance de fou, et vous allez voir. Mais tout d'abord, la première vidéo en janvier qui a marqué mes esprits et tout ça, c'est la Golf, Vlog, Mercedes et les soldes. J'ai dit ça dans la verse, mais tu t'en fous. C'est cette vidéo, les gars. Donc, dans cette vidéo, je suis avec Faïz et Idriss, que vous voyez pas aussi souvent que maintenant sur ma chaîne à l'époque. C'est peut-être une des premières vidéos avec eux, peut-être la deuxième ou la troisième vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez voir, je crois que c'est à la fin, je vais à Mercedes. Et même ceux qui me suivent sur Snap, etc., qui ont déjà vu mes dernières vidéos, ben voilà, moi j'allais déjà à Mercedes en janvier parce que j'avais un plan dans ma tête et je savais exactement quelle voiture je voulais, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais voilà, vous avez capté, dans ma tête j'étais déjà sur un truc, vous avez capté. Mais surtout, le mois de janvier, c'est pas cette vidéo, c'est les packs opening Totti, bien sûr, et on va retenir bien sûr deux vidéos qu'on va se mater ensemble. Enfin, les meilleurs moments, bien sûr, si tu veux voir la vidéo en entier, va la voir. Donc là, la première, bien sûr, c'est Pogboom.
quand on a Pogboum dans un pack. Là, j'avais suivi vos recommandations dans les commentaires. Vous m'avez dit, titre, genre, tu nous spoil le pack que tu vas avoir. J'avoue, c'est pour ça. Le pack opening d'après, j'ai pas spoilé. J'ai écrit pack opening exceptionnel. La vidéo, je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne actuellement. Donc voilà, merci les gars. Parce que des fois, vous me remettez les pieds sur terre. À faire des titres putaclic, ça sert pas à grand chose des fois. Faut juste écouter sa communauté. Et en vous écoutant, ben, on a fait la vidéo la plus populaire de la chaîne. Bon, c'est pas celle-ci, c'est celle d'après. Vas-y, ouvre avec les crédits, Faïz. Pourquoi tu baisses la tête comme si... Parce que moi, quand je baisse la tête, je te jure, j'ai du lourd. Ferme les yeux. Vous êtes prêts? C'est la meilleure réaction de tous les temps, celle-ci. Ah franchement les gars, cette vidéo elle était énorme. Et du coup, la deuxième, bien sûr, elle est sur la page d'après. La deuxième, alors je vais vérifier tout de suite si c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne. C'est en effet la vidéo la plus populaire de ma chaîne il y a 11 mois. Pack opening exceptionnel. Donc la vidéo en entière, elle est grave marrante, elle est grave lourde. On va bien sûr revenir sur le meilleur moment de la vidéo tous ensemble. Mais franchement, je vous comprends. Je comprends que ce soit la vidéo la plus populaire de la chaîne. Elle est juste grave marrante cette vidéo. On va commencer avec le premier pack les amis. C'est parti. J'espère qu'on va avoir du lourd. On a pas le temps nous. Mais voilà, la vidéo la plus populaire de la chaîne, c'est logique, la vidéo est grave lourde et la chatte est là comme d'hab. On va passer à la deuxième date et je vais choisir mon anniversaire tout simplement. J'ai sorti la vidéo 3 jours après, donc mon anniversaire c'est le 12 les gars. Et le 15 février j'ai sorti une vidéo vlog spécial anniversaire et 400 000 abonnés. Et cette vidéo, elle a rien de spécial et tout. Hormis le fait que j'avais eu 400 000 abonnés le jour de mon anniversaire, j'étais super content. Mais il y a plusieurs trucs importants dans la vidéo. Enfin, il y a surtout un truc important. Donc là, je suis avec ma voiture tranquille. Il y a ça qui est important. Je vais aller, en fait, c'est une grande journée parce que je vais aller visiter un studio, un bureau, si tu veux, un bureau pour stream. En fait, c'est... Voilà frère, c'était la vidéo, la première fois où j'en parlais. Et c'était ce jour-là, je suis allé visiter mon local que j'ai aujourd'hui. Que j'ai signé le bail quoi, une semaine après gros. J'étais allé visiter, tout s'était bien passé. Et c'est dans cette vidéo que j'en parlais. Et voilà, dans cette vidéo, il y a également je suis avec ma Audi, je me l'ai pété. Première fois que j'avais une automatique, c'était une voiture louée. J'étais content, t'as vu. Ouais, j'aime bien les voitures, mais du coup on va directement passer à la troisième date. Je crois qu'on est à la troisième, si je me trompe pas. Ouais, c'est la troisième date. Du coup, c'est cette vidéo anodine, on va dire. Du coup, c'est une vidéo anodine. Elle a rien d'exceptionnel, encore une fois, la vidéo. Mais j'annonce encore une fois un truc important. Et qui franchement, m'a niqué mon année. Enfin, ça m'a niqué 3 mois dans mon année, c'était bien chiant. Mais je l'annonce dans cette vidéo. Et on va en parler, regardez. Juste, je l'annonce, vous allez écouter. On a parlé de tous les bons trucs. On va passer au mauvais truc, les amis. Le mauvais truc, vous en avez déjà parlé, c'est que... Ça y est, j'ai encore perdu mon permis. Encore perdu mon permis. Non, ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on a eu beaucoup d'abonnés, le double cette année. En fait, si vous voulez, il y a 2 ans maintenant, ouais, c'était en janvier 2015. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un excès de vitesse sur l'autoroute. Je me suis pris 3 mois de suspension de permis. Et ensuite, je suis allé devant un tribunal et ils m'ont mis 6 mois de suspension de permis. Du coup, j'avais déjà fait 3 mois, mais j'avais récupéré mon permis entre temps avant de passer au tribunal. Et en fait, les 3 mois en plus que je devais faire, le problème, c'est que je ne les ai jamais reçus. Et un an après. Donc en 2016, là, au moment de cette vidéo, en avril 2016, j'ai reçu mon papier comme quoi il fallait que je rende mon permis. Et du coup, en avril 2016, j'ai dû aller rendre mon permis. Et je vous en parle parce que c'était aussi un moment important de l'année. Donc pendant 3 mois, j'ai pas eu mon permis. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'avais une Golf à l'époque. J'ai vendu ma Golf pendant 3 mois. Et les mois d'avant aussi, j'y pensais. De toute façon, vous avez vu la vidéo en janvier. J'ai économisé pendant 3 mois. J'ai vraiment économisé sa mère, gros. Et donc, j'ai rendu mon permis. Suivez bien, le 19 avril ou le 18 avril, en tout cas j'ai récupéré mon permis le 19 juillet. Qu'est-ce que j'ai fait le 19 juillet? Je suis parti à Auxerre avec mon père, je suis allé acheter ma voiture. Donc maintenant on va passer à la quatrième date, là encore c'est un petit ensemble de dates, même s'il y a une date suprême et qu'on va mettre dans la cinquième date,
plus tôt. Donc la quatrième date, c'est les TOTS. C'est le mois des TOTS en juin. Donc là, non, plutôt en mai, c'était mai-juin. Je crois que ça fait les deux un petit peu. Ça fait les deux. Ouais, ça fait les deux. Mai-juin. Plutôt mai en fait. Ouais, c'est plutôt en mai. Donc la première vidéo. Bah après, c'est tous les packs opening des TOTS. Je vais vous en montrer deux extraits. J'ai eu de la chatte. Et surtout, bien sûr, la vidéo avec Alexandre Lacazette. Oui, j'ai fait une vidéo avec Alexandre Lacazette, gros. C'est. Voilà, une vidéo avec Lacazette. C'est beau quand même. Faut savoir que cette vidéo, je l'ai tournée dans un studio. Un studio, le studio d'un pote à moi. C'est pas un studio d'enregistrement. C'est un appartement, gros. Un petit studio avec Lacazette. T'imagines le délire? Donc, cette vidéo, il y a personne qui m'a aidé pour la faire à part des amis, des vrais amis. Et c'est pas IE ou quoi qui m'a aidé à la faire. C'est pour ça d'ailleurs que IE et tout, ben, j'avais quelques soucis avec eux parce que voilà. Je peux plus, gros. Normalement, c'est eux qui doivent me faire tourner ça. Moi, j'ai jamais eu de proposition. Moi, je suis pas quelqu'un qui demande les choses. Voilà, j'ai même pas demandé pour Lacazette. On m'a proposé. Et voilà, c'est ce que IE n'a pas su faire avec moi. Voilà, moi, j'ai des potes, des amis qui m'ont proposé Lacazette. Tu crois que j'allais dire non? Non. Donc voilà, j'ai fait une vidéo avec Lacazette. Et franchement, c'était un super moment. Alors, j'étais un petit peu stressé pendant la vidéo. Mais Lacazette, après coup, enfin, après coup, je veux dire, après la vidéo, franchement. Énorme, le mec il est super, un bon gars Lacazette pour de vrai. Yo tout le monde, c'est Yomax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Alexandre Lacazette. Salut, tu vas bien Alex, tu tiens la main, tranquille. On se retrouve pour un pack opening les gars. Alex, moi je fais beaucoup de pack opening, je joue. Franchement, j'étais stressé, je l'appelais Alex et tout. Bref, on passe. Là, une vidéo très importante. On est toujours dans la même date, comme je vous ai dit, le mois des TOTS. Et après, viendra la meilleure date, je pense, cette année. C'est la meilleure date, c'est celle d'après. La meilleure date, c'est celle d'après, c'est sûr et certain. Bref, on arrive à cette vidéo. C'est toujours pour le mois des TOTS, la date des TOTS, comme on va l'appeler comme ça, la date des TOTS. Gros, c'est énorme, c'est juste énorme, on regarde ensemble. C'est bon, tiens, vas-y. Il y avait pas de pack les gars, j'ai eu peur. Descends, à chaque fois tu descends. Et ensuite tu ouvres la manette. Okay. Premier pack à 100 000 les gars. La chatte, est-ce qu'elle sera au rendez-vous aujourd'hui comme hier? On va voir, on va bien voir. Franchement les gars, c'était une des meilleures vidéos de la chaîne cette année. Ah, franchement, Suarez, au premier pack, tu t'y attends pas. Magnifique, franchement. Et vous avez vu que cette année, j'ai beaucoup fait participer ma soeur aux vidéos. Voilà, je sais que vous kiffez bien. Voilà, nickel, tout se passe bien. Et du coup, la cinquième date, et peut-être la plus grosse date cette année sur ma chaîne, parce que pour moi, bon après c'est prétentieux. Mais franchement, c'est la meilleure vidéo pack opening de tout YouTube. Arrêtez, arrêtez les gars. C'est la meilleure vidéo pack opening de tout YouTube. Le meilleur pack opening de tous les temps. 1 million de vues, merci les gars. Ça fait plaisir, 1 million de vues. 106 000 j'aime. On avait un défi 100 000 j'aime que j'ai pas dit dans la vidéo. J'ai juste affiché quand on pack le pack de fou. On les a fait les 100 000 j'aime après quelques mois bien sûr. Mais voilà, 439 dislikes pour 100 000 j'aime. La vie est belle, magnifique, et c'est mérité. À mon avis, c'est mérité. Et dans pas longtemps, on va être 20, 25, frère. Oui, parce que c'était un pack opening avec tous les abonnés dans un tacos. Explique-moi, est-ce que t'as déjà vu ça quelque part? Mais même ça, c'est un truc bizarre, t'as vu? Mais juste ça, c'est un peu bizarre. Mais frère, paquet Griezmann et Messi, mais surtout Messi, juste Messi en fait. Mais avec Griezmann en plus, dans un pack, avec tous les abonnés. Ça donne la meilleure vidéo pack opening de YouTube. Je suis désolé les autres youtubeurs. Frère, tu peux faire mieux que ça? Essaye. Quelqu'un... Dites dans les commentaires, est-ce que t'as déjà vu quelque chose de mieux que ça? Jérémy Drouz, pas pour rien. Allez, pack-moi du lourd. Il était venu d'Ardèche pour nous voir le petit Yael. Oh, j'étais fou. J'étais fou les gars. On va avancer hein. Si tu veux voir la vidéo, va la voir en entier gros, elle est lourde.
On va avancer là, quand je dis Idriss, imagine il y a un doublon. T'es pas venu pour rien. Attends frère, t'imagines t'es un doublon. Ah, ça lutte comme un joueur. Oh, attends, peut-être un doublon, t'imagines un autre chef en doublon. Attends, vas-y, bois, bois, frère. Ça, c'est de la joie. Ah franchement, un des meilleurs moments de l'année pour moi, ça, en fait c'est une des rares fois où j'ai rencontré mes abonnés, c'est peut-être même la seule fois où j'ai fait une rencontre abonnée pour de vrai, et franchement, j'ai rien à dire, franchement c'était un super beau moment de voir mes abonnés, et faire cette vidéo, c'est le pompon, la cerise sur le gâteau, franchement, meilleure date de l'année c'est celle-ci pour moi, et... Pour Faïz et Idriss, je pense que c'est pareil pour eux parce que c'était un truc de fou. On va passer à la sixième date et là encore, c'était des très beaux moments. C'était le mois de l'euro en fait, l'euro 2016. Grâce aux différents sponsors, entre guillemets, il y a Orange, Adidas qui m'a invité, il y a même Twitter qui m'a invité à aller voir des matchs de l'euro. Tu vois, frère, c'est. Voilà, après, on va dire que je m'en prends beaucoup à IE, mais bon, ils m'ont pas invité à voir de matchs. IE, voilà, c'est les sponsors. Et j'ai été voir plein de matchs avec ma famille. Avec Faïz aussi, je suis allé voir un match de la France et voilà, c'était magnifique d'aller voir des matchs de l'Euro. Et bien sûr, pour moi, la plus mémorable d'entre elles, c'est Italie-Espagne, frère, avec mon père. Donc forcément, ça m'émeut un petit peu de revoir ce moment. Voilà, le 2-0, Italie-Espagne, franchement, match splendide, super match. Merci Orange, encore une fois, si vous passez sur la vidéo, les gars d'Orange, merci. Et voilà, vous m'avez rendu heureux et surtout mon père, les gars. Franchement magnifique les gars, je te jure ça m'émeut encore. Et merci, je redis merci à Orange parce que vous m'avez fait vivre un moment formidable, on était super bien placés. Et pareil, on était allé voir Allemagne-Italie, ça s'est mal passé, on a perdu au penalty. Mais voilà, c'est des vidéos, elles sont énormes, franchement c'est des vidéos magnifiques, des matchs magnifiques, des gros matchs. Et j'ai vécu des super beaux moments à l'Euro, je vous dis la vérité. C'était... Ben voilà, je te dis, c'est pour ça, cette année 2016, elle était parfaite. Franchement, elle était parfaite. Donc, on va passer cette fois-ci, on va dire, au mois de septembre. La date, ça va être le mois de septembre. Plutôt la sortie de FIFA 17. Parce que, voilà, autant j'ai dit 2-3 trucs sur EA dans la vidéo, autant, ma chaîne aujourd'hui, si elle en est là, c'est aussi peut-être un peu grâce à eux, même peut-être beaucoup. J'en sais rien, mais oui, certainement. Mais voilà, j'ai sorti, j'ai pu tester FIFA 17 avant qu'il sorte. J'ai pu jouer au jeu avant qu'il sorte. Et du coup, j'ai préparé plein de vidéos en avance là-bas. Et voilà, moi juste à vous dire, regardez les vues quoi, 500 000 vues, ça les a fait en une semaine, hein. C'est pas au bout des mois et des mois que ça a fait 500 000 vues, en une semaine elle avait 500 000 vues cette vidéo, le premier pack opening sur FIFA 17, mini tournoi sur FIFA 17, 300 000 vues, 500 000 vues, première draft sur FIFA 17, 450 000 vues, bref, t'as capté le délire, voilà, j'ai gagné pas mal d'abonnés à cette période, et voilà, c'est grâce à IE, parce que j'aurais pas pu faire ces vidéos en avance si j'avais pas pu tester le jeu avec eux, et grâce à eux, donc voilà, ça, faut pas que je l'oublie dans les dates, et c'est pour ça, c'est ma 7ème date, la sortie de FIFA 17, parce que j'ai pu faire un maximum de vidéos, je crois 7 vidéos, et vous les publier directement avant que le jeu y sorte, et voilà, ça a fait maximum de vues, et ça m'a fait gagner beaucoup d'abonnés, tout ça. Donc voilà, on n'oublie pas, FIFA 17, merci IE pour m'avoir permis d'y jouer en avance et de filmer tout ça. Et voilà, ça c'était lourd. Maintenant on passe à la dernière date, donc c'est encore en septembre, mais là c'est une date en particulier, c'est le 19 septembre 2016. Et donc c'est une vidéo contre Céane Garnier. Pourquoi je la mets là? Parce que, en fait, cette année, on a commencé, c'est Faïz, il me disait tout le temps, faut qu'on fasse des vidéos foot IRL. Donc, on a commencé à en faire, c'est, je crois, au mois de juillet, après l'euro, ou pendant l'euro plutôt. Et on a commencé à en faire, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. On n'a pas fait beaucoup, hein. Mais du coup, on a eu cette opportunité de faire une vidéo avec Céane Garnier, qui nous a contactés.
Et du coup, bah voilà, pour moi, je voulais parler surtout des vidéos foot IRL dans cette vidéo parce que c'est un truc, je pense que je referai cette année. Là, il fait un peu froid, à part du foot en salle, j'ai pas envie d'aller faire du foot dehors. Mais on a commencé les vidéos foot IRL cette année et franchement, c'était grave lourd d'en faire. Et surtout, cette vidéo, je la mets en avant parmi toutes les vidéos foot IRL parce que bien sûr, c'est contre Céane Garnier, mais la vidéo, elle est grave lourde. Allez la voir, les gars, si vous l'avez pas vue, elle est grave lourde. Et voilà, elle a fait 675 000 vues. Franchement, beau, ça fait plaisir. On n'est pas des youtubeurs foot, nous, hein, FIFA plutôt. Mais voilà, on arrive quand même à faire de bons trucs et j'espère que ça vous a plu. Vas-y, vas-y, va partir, va partir. Ah, je suis d'un triste. T'es pas les violets. Yo. Non, je crois que... Désolé, Idriss. Daniel Sam t'as sodomisé, j'étais au steak ou le mouchou. Après un train n'a jamais fini. Oh non, non, sérieusement, la vidéo est grave lourde du début à la fin. On a fait un petit délire sur les scores et tout. Franchement, on s'est régalé avec Faïz au montage. D'ailleurs, je remercie beaucoup Faïz hein, sur les vidéos, genre pack opening exceptionnel, sur cette vidéo et sur pas mal de grosses vidéos de la chaîne. Il m'a beaucoup aidé au montage. Il a trouvé pas mal d'idées et je le remercie. Et je remercie bien sûr Idriss parce que cette année, vous avez vu, ils ont été très importants pour moi. On a commencé nos lives sur Level Down cette année. Là, on finit cette année sur Twitch. Ça s'est super bien passé. Merci à tous de nous suivre en live, de kiffer notre délire. Et voilà, et autant Faïz que Idriss, voilà, cette année, ils ont beaucoup contribué à mon succès, entre guillemets. La caméra s'est arrêtée. On prépare quand même de belles choses en 2017, mais voilà, j'ai pas d'autres dates. On s'arrête donc en septembre pour les dates. Septembre, j'arrive pas à parler. Du coup, ouais, on s'arrête en septembre, mais bien sûr, on a sorti des vidéos depuis septembre. Plein de vidéos, voilà, plein de vidéos. Mais voilà, c'est des packs opening. Il y a eu FUT Champion cette année. Mais vraiment, le gros de l'année, il s'est passé dans les 8 dates que je vous ai énoncées aujourd'hui. Dans la vidéo, j'ai pas parlé de JB aussi, qui est beaucoup présent sur mes vidéos. Bien sûr, JB qui est beaucoup présent. Il était dans la vidéo à 1 400 000 vues, le pack opening exceptionnel. Mais voilà, bien sûr, JB aussi qui est beaucoup présent. Même en live, maintenant, il est souvent présent. Voilà, j'essaie de faire participer la famille. Parce que c'est ma famille, Idriss et Faïz, c'est pas des frères de sang, mais presque, tu comprends. Tu captes le délire depuis qu'on est tout petit, on se connaît. Mais voilà, ça fait plaisir qu'on réussisse ensemble, on va dire ça, entre guillemets. Même si JB, il est juste là, il est juste là comme ça. Mais voilà, ça fait plaisir, il m'accompagne, tu vois, il m'aide. Franchement, ça fait plaisir. Mais voilà, c'était une superbe année, j'espère que je vais continuer comme ça cette année. Je vous envoie du lourd, là, cette semaine prochaine, gros. Attends-toi à une explosion de Toti. Franchement, ça va partir en couille. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Je pense que si, elle va être un peu longue. Mais pour moi, c'était important de faire cette vidéo. Voilà, parce que j'ai vécu une superbe année. Et voilà, je vous remercie tous de me suivre. J'espère qu'on va envoyer du lourd cette année. Je pense pas qu'on pourra faire mieux que le pack opening au Master Taco si on a packé Messi et Griezmann cette année. Mais on va essayer quand même. Ciao la famille, stay your max. Daniel Sam, t'as sodomisé, j'étais au steak, roule à mon choix. Après un train n'a jamais fini.